petit bivouac ce week-end avec Hildegarde en forêt. Ouais, je suis contente pour une fois que c'est toi qui fais la bouffe. Non, mais c'est toi qui prenais la bouffe. Non. Non, mais c'était ton tour, patate. Non, non, c'est pas... C'est, non, grosse nouille, c'est pas mon tour. Hildegarde, puisque c'était vraiment ton tour, je te mets au défi de me faire un repas ce soir avec ce que tu peux trouver dans la nature. Parce que j'ai faim. Jacob, c'était vraiment pas mon tour. Mais j'accepte ton défi, à condition que tu m'aides. Par chance pour toi, j'ai trouvé dans mon sac un fond d'huile de coco, de la crème de soja et un vieux citron. What the fuck? Qu'est-ce qu'il faut avec ça dans son sac? Et bon, c'est un bon défi. Mais ouais, mais c'est ça, c'est ça qui est drôle. En gros, c'est juste des trucs que j'ai ouvert mes placards, j'ai regardé ce qu'il y avait, ouais. J'avais ça, non, donc mais c'est, t'auras mais ça. Je trouve ça excellent, excellent. Aujourd'hui, on se balade dans le Limousin, aux abords du plateau de Mille Vaches. J'ai rejoint mon amie Hildegarde, Laurence Talleux, formatrice et professionnelle en reconnaissance de plantes sauvages comestibles. Moi, je suis là pour filmer et pour manger. Cette région montagneuse accueille des néo-ruraux, une population jeune, partie vivre à la campagne, à la recherche d'une meilleure qualité de vie en pleine nature. Ils repeuplent une région abandonnée, comme en témoignent ces anciennes routes ferroviaires. Tout un réseau de ponts et de tunnels marquant la fin d'une époque. Et aujourd'hui, Hildegarde, je te mets au défi de cuisiner une nature sauvage. Bon, arrête un peu de marmonner, viens voir ce que j'ai trouvé. Et c'est quoi ça du coup? Alors ça, c'est du panais. Tu vois la feuille? C'est ce que tu vas trouver parfois chez le maraîcher. Cette racine qui est riche en glucides, c'est très nourrissant. Alors tu vois, ça c'est un lamier blanc, c'est ce qu'on appelle aussi de l'ortie blanche, ou l'ortie qui pique pas. Ça n'a rien à voir avec l'ortie, c'est une lamiacée. Alors lamiacée, c'est une famille de plantes, la tige est carrée, les plantes sont poilues, les feuilles sont décussées, c'est-à-dire qu'elles sont opposées à un étage, comme ça les unes en face des autres, et à l'étage du dessus, c'est opposé, mais comme ça, en quinconce. Alors quand on a une plante qui a une tige carrée, des feuilles décussées, poilues, une odeur forte, c'est forcément une lamiacée. Et une lamiacée, c'est forcément comestible. Ah, j'ai trouvé de la barbe à papa. Ah non, 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 non. Ça se mange, mais il faut le faire bouillir avant. Alors, tu vois, celui-ci, c'est le lichen éverni du prunelier. C'est un bon comestible. Et on le reconnaît, il est un peu vert-gris sur une face et puis un petit peu blanchâtre sur l'autre. C'est assez commun. Il faut faire attention à le récolter dans des zones où c'est pas trop pollué. Mon beau sapin, roi des forêts. Ça te dit quelque chose, ça, le sapin? Alors le sapin, en fait, le sapin qu'on a à Noël, c'est plus souvent un épicéa, qui est comestible aussi, mais c'est moins bon comestible que le sapin blanc. Le sapin blanc, on le reconnaît, parce que déjà, les épines, elles sont planes de chaque côté de la tige. Et dessous, il y a deux petits traits blancs. Alors, ce qui est intéressant dans le sapin, c'est qu'on peut faire des infusions avec les aiguilles. Ça a vraiment un goût de mandarine. Une odeur de mandarine aussi. Si ça n'a pas d'odeur de mandarine ou d'agrumes, il ne faut pas y toucher, c'est que c'est un if. Et ce qui est intéressant, en fait, dans le sapin, c'est la racine. Au milieu, c'est dur. D'accord. C'est un bout de bois. Et ce qui se mange, c'est le tour. D'accord, ok. Je connaissais pas. Ouais. Après, il faut nettoyer. Ah, tiens, ça, je connais, c'est de la prime vert. C'est ça? C'est ça. Ça, c'est là, c'est prime vert élevé. Les feuilles se mangent. «
Alors là, on a de la chance d'avoir de la cardamine. Je vais m'en servir pour me laver les mains, puisque, bon, évidemment, l'hygiène est importante quand on cuisine dans la nature. On entend souvent dire qu'on peut utiliser la racine de saponaire ou les feuilles de saponaire pour se laver le main ou le corps quand on est en pleine nature. Moi, je vous le déconseille parce que la saponaire contient des saponines qui sont toxiques pour les animaux à sang froid. Donc dans les rivières, ici, on est dans une magnifique rivière, il y a des animaux assez rares, il faut les préserver. Donc si vous vous lavez avec de la saponine, lavez-vous en dehors de la rivière. Voilà, donc je me lave les mains. Bon, toute la récolte est finie, là c'est typiquement le moment où j'ai très faim et je vais commencer à manger toutes les plantes crues comme ça, sans préparation, mais c'est justement la magie qui va opérer pour la cuisine. Moi aussi j'ai très faim, et la magie on va la faire à deux, tu vas m'aider Jacob. Non. Et si. Croustillant de panais aux racines de sapin et chips de prime vert. Tagliatelle de lichen à la crème de lamier blanc. Délices de berce citronnées aux fleurs de printemps. On a joué le jeu, on a vraiment rien mangé depuis. Et on a faim. Et donc, c'est ce que tu as préparé avec les trois ingrédients que je t'avais proposés. De l'huile de coco, de la crème de soja et un citron. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as cuisiné? C'était vraiment un gros challenge parce que c'est improbable ce genre d'éléments pour cuisiner sur le terrain. En entrée, je vous propose des petites feuilles de prime vert grillées, façon chips, avec du panais aussi grillé et quelques petites racines de sapin grillées aussi. Ensuite, on a des tagliatelles. Alors, j'appelle ça des tagliatelles, évidemment, ce ne sont pas des pâtes. Ce sont les lichens frits, les lichens pas frits, bouillis. J'ai vraiment faim, le cerveau ne fonctionne plus. Les lichens, quand ils sont passés dans l'eau bouillante, ils sont très mous, un peu comme des pâtes un peu chinoises, on va dire. Et donc, j'ai fait une petite sauce avec la crème de soja et le lamier blanc. Donc, on est sur une petite sauce qui a des tonalités un peu goût champignon. Ensuite, le dessert, des pétioles de berce frites, toujours dans l'huile de coco, avec quelques petites fleurs et le jus de citron, en fait, pour rehausser un petit peu et donner une petite consonance dessert, puisqu'on n'a pas de sucré, bien sûr, du coup, voilà. Ok, non, c'est dommage, on n'a pas eu de poisson, on a essayé de pêcher tout à l'heure, ouais, avec ta carte de pêche, mais on n'a pas eu de chance. Bon, ça arrive, hein, il faut faire avec ce qu'on trouve. Au moins, les plantes, c'est plus facile à attraper. Et donc, je ne sais pas si c'est le fait que j'ai très faim, que je n'ai pas mangé depuis hier, ou alors que c'est très bon, mais en tout cas, ça me donne envie.
Ah, ça c'est infusion de sapin. D'accord. Ching. Santé. Et tu vois, ce qui est marrant avec les lichens, c'est que on est vraiment comme avec des pâtes. C'est très rassasiant en fait. Ouais. Bien, ça cale, ouais. Ça cale bien, ouais. Ça, du coup, c'est un truc que j'avais peur aussi. C'est qu'il y a eu. C'est dans le printemps, on s'en est sorti d'hiver. Et qu'il y a vraiment. Ce que j'avais peur, c'est qu'il n'y avait vraiment pas grand chose à manger. Et en fait, avec les lichens et les racines, et. Le reste, finalement, ça va le faire. On n'a pas eu poisson pané, mais. Ah ouais, on n'a pas eu le poisson. On a eu le pané, pas le poisson. En termes de volume, on n'a pas l'impression qu'on a beaucoup. Ouais. Par contre, en termes énergétiques, vu que les plantes sauvages nourrissent bien plus qu'une plante traditionnelle, puisqu'elles se battent pour survivre et pousser là où elles poussent, tu vas voir que à la fin du repas, tu en auras assez. Ok, même si j'ai l'impression de ne pas avoir mangé autant qu'avant, voilà. Normalement, je serais énergétiquement calé. Quoi. C'est ça. C'est marrant en fait, citron. Et berce, on dirait que c'est la rhubarbe. Ouais. C'est trop marrant. Et ouais. Ça avec un peu de sucre, ça aurait été juste trop bien. Ouais. Voilà. Ah, ça fait du bien. Non, moi je colle là. C'est vrai? Ah ouais, je suis. Tu vois, ce qui est chouette, c'est que quand on est dans la nature, bah, il suffit d'avoir quelques toutes petites bricoles. Alors, franchement, on n'avait pas grand-chose. Ouais, deux, trois petits trucs, et des ustensiles et c'est tout. Quoi. Voilà, et puis de la connaissance quand même, un petit peu. Et puis on a pu se débrouiller et se nourrir. Donc. Ouais, c'est un truc que j'aime bien aussi, c'est un truc comme ça, c'est se poser après le soir, allumer un feu et camper dans les bois et on va dormir sous les étoiles, quoi. Ouais. Là, on retrouve l'instinct primaire. La reconnexion à la nature, on est vraiment dedans. Quoi. Ouais. 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 Bon, bah, bonne nuit, le garde. Bonne nuit, Jacob.